Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024, pour vous parler de quelque chose. Alors déjà, c'est que avec ma gyro-roue, ça fait 4 fois que je crève. Et le souci, c'est que la 4e fois, j'ai pas pu enlever les repose-pieds. Comme ça. Parce qu'en fin de compte, les repose-pieds, il y a un axe qui vient à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et après, vous avez des vis de chaque côté avec des petits caoutchoucs, comme ceci. Des vis avec des caoutchoucs. Et la dernière fois, j'ai pas pu les démonter. Donc j'étais obligé de couper la pédale. Donc j'en ai racheté d'autres. J'ai attendu 3 semaines parce que ça vient de Chine. Je viens de les recevoir ce matin. Donc je vais pouvoir réparer ma gyro-roue et puis aller rouler. Voilà. Et aussi, je vais vous parler, j'ai investi aussi dans un sac à dos. Comme vous savez, moi j'aime bien rouler, mais en toute sécurité. Donc j'ai acheté un sac à dos comme ceci, classique. Alors ce qui est bien, ce sac à dos, c'est qu'est-ce qu'il y a avec? Il y a des clignotants. Vous avez un système ici, là, un système là. Hop. À l'intérieur, vous avez un boîtier avec un cordon que vous pouvez recharger. Ça dure à peu près 18 heures. Ici, vous le mettez, il y a un petit bouton rouge. Vous le mettez en route, vous appuyez un moment. Et voilà, il fait clignotant. Alors, donc voilà, ça fait clignotant. Vous avez une petite télécommande. Ah, je vais arriver à l'enlever. Voilà, vous avez une petite vendue avec une télécommande. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de. Moi, je la mets sur mon sac à dos, sur la sangle. Hein, et vous avez la possibilité de le mettre aussi sur un guidon de trottinette ou de vélo fixé. Alors là, ben, c'est simple. Quand vous allez tout droit, vous appuyez là. Vous voulez tourner à gauche, vous appuyez sur le côté. Tournez à droite. Voilà. Quand vous arrivez sur un stop ou un feu rouge, vous appuyez sur le rouge, ça veut dire que vous arrêtez. Et après, ça, vous pouvez mettre ça quand vous roulez. Mais moi, en général, quand je m'arrête dans un feu rouge et puis si par exemple je vais tout droit, eh ben je vais une flèche comme quoi je vais tout droit. Donc c'est un sac à dos que j'ai trouvé sur Amazon. Il vaut à peu près une quarantaine d'euros, 42 € je crois. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre votre klaxon. J'ai mis une petite lumière que j'avais achetée à Decathlon. Voilà. Si par exemple, vous ne voulez pas les clignotants, vous voulez vous marcher, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez enlever ça. Vous voyez, il y a des sangles ici, vous enlevez les deux sangles en bas et ça vous fait un sac à dos classique. Donc ce sac à dos, c'est un 18 litres, il est relativement grand. On peut mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur, une gourde, un vêtement, un sandwich. Donc j'ai pensé que ça pourrait intéresser quelques personnes qui ont des vélos ou des trottinettes. Et voilà, pour rouler en toute sécurité. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir.